Bonjour à toutes et à tous, la pluie nous accompagne jusqu'à samedi, avant le retour du soleil dimanche avec un mercure plus frais, notamment en matinée. Mais avant cela, eh bien, on regarde la carte de ce jeudi 23 février. Ce sont de nouveau les nuages qui vont dominer dans notre ciel vendéen. Quelques pluies circulent également dans les terres. Vous le voyez, le littoral semble un petit peu plus à l'écart. Côté température, elle baisse légèrement en matinée. On compte une moyenne de 3 à 4 degrés dans l'intérieur du territoire, 5 le long des côtes et jusqu'à 6 sur les îles. Dans l'après-midi, le ciel va rester couvert avec encore de petites ondées qui résistent un petit peu partout. Le mercure n'évolue pas vraiment par rapport au matin. On compte une moyenne de 4 à 5 degrés dans les terres, 6 à 7 pour le bord de mer. Nous gagnons donc seulement 1 degré de plus. On passe aux prévisions des 3 prochains jours. Vendredi, temps bien couvert tout au long de la journée avec de petites pluies fines. Le vent se renforce, rafale attendue, 65 km/h, un vent de nord-est. Quant au mercure, on compte 6 à 8 degrés de moyenne le matin. Comme après-midi, samedi, c'est une journée de transition. En matinée, le temps s'annonce globalement nuageux, avec quelques averses qui résistent le long des côtes. Puis dans l'après-midi, place à un ciel ensoleillé. Le thermomètre affiche une moyenne de 4 à 6 degrés le matin, suivi de 7 pour le meilleur de la journée. Enfin dimanche, l'anticyclone regonfle, le soleil brille généreusement, mais il va faire plus frisqué. On compte un petit 0 degré à l'aube et 6 pour les maximales. On revient à notre jeudi 23 février. Nous sommes toujours sur une période de forte marée. Les coefficients sont de 107 et 103. La mer sera basse à 12h55. Variation du soleil plus 2 minutes. Il va se lever à 7h56 et se coucher à 18h41. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur TV Vendée pour un nouveau point météo, belle journée et à bientôt.